Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le moment de la chronique équipement en compagnie de Sylvain Rabhi, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. On est en forme, Sylvain? Très en forme. Excellent. On parle de faire droit cette semaine, non seulement cette semaine, mais également pour la prochaine émission. On commence du côté de TaylorMade, la série Spider qui est sur le marché depuis 15 ans maintenant. Mais là, on a un autre modèle. Écoute, nouveau modèle, le fameux Spider GT. Mm-hmm. Un peu la même dimension que l'ancien modèle, le fameux EX de l'an passé. Oui. Tête multimatérielle, qui fait qu'un produit qui est très, très stable au niveau de l'impact. Mm-hmm. Et la grosse nouveauté cette année, 4 couleurs, dont une pour les demoiselles. Pour nous parler de la stabilité de ce nouveau modèle GT, on écoute Bill Price de chez TaylorMade. The first thing, as you can see, there's a lot less weight in the middle, and it's true. So the original Spider had 40% in the middle and only 30% on the outside. This new GT has 18% of the weight in the middle, and then so we've been able to shift 82% to the outside, which is remarkable. And that's what allows us to unlock better stability and better performance. You know, the cap that we have here is manufactured from aluminum, so we have lightweight aluminum, which is 146 grams. So that allowed us all this extra weight that we can add to the putter. So the black part that you see here today is steel and tungsten. So these are 90 grams that we're able to move to the outside, which is remarkable to have that much weight to the outside. So this really allows us to create a better hitting area. So by creating a better hitting area, we also get better, less twisting. We also get better rollout. So that's the big advantage of mallets today, is the less twisting, better rollout on all putts, especially not just 12 footers, but 30 and 40 footers. C'est certain, Sylvain, que si on peut être aussi stable à 40 pieds qu'on l'est à 4 pieds, on achète ça tout de suite à tout coup. Si vous n'êtes pas fervent d'un modèle aussi surdimensionné, la famille Spider GT a trois autres modèles, le Rollback, le Splitback et le Notchback, qui proposent des alignements différents. Écoute, pour quelqu'un qui aime un alignement qui est différent du Spider, on a ici la bande noire. Les trois modèles ont trois alignements complètement différents. Oui, c'est ça. Surtout avec, avec le GT, le GT en anglais, la ligne est beaucoup plus petite. Donc, oui. ça peut aider les golfeurs. Quelqu'un qui recherche un visuel plus facile, vous voyez, avec un modèle comme ça ici, ligne plus large, visuel meilleur. Côté stabilité, toujours une tête multimatérielle également. Oui, et on a aussi le tungsten qui est à l'arrière ici, du fameux fer droit, oui. Ce qui va faire qu'il va être beaucoup plus stable au niveau de ton impact. On peut voir ici sur le modèle Notchback, le tungsten est un peu plus en périphérie, donc un fer droit qui peut aider à la stabilité également, oui. de ce côté-là.